Bonjour à tous, bienvenue sur Culture Gaming. On se retrouve une nouvelle fois pour un Let's Play découverte. Pour un petit jeu qui me faisait de l'œil sur Switch depuis très très longtemps, il est aujourd'hui dans le Game Pass, donc du coup je profite de vous le faire via le Game Pass. Il s'agit de Forager et je vous laisse découvrir. Ça a l'air d'être un petit jeu de gestion tout sympa, tout mimi. Et bon, on y va! Alors, supplément crédit config, on s'en fiche. Ah, sauf si, attendez, oh là là, on est en français, c'est le principal. Bon, pour le reste, on verra plus tard. On est parti. Ah, classique. Ah ben, je ne peux que classique, donc ça me va bien. L'expérience forageur d'origine, récupérez des ressources, construisez votre base. Et agrandissez votre quelque chose. Alors, ouvrir le menu. C'est B. Alors, j'essaie de me tromper souvent de bouton. Je suis un petit peu perdue quand je repasse sur Xbox. Je sais pas pourquoi. Alors, j'ai un point d'exclamation là-bas. Le truc, c'est de trouver comment j'y vais. Alors, là, on a tout ce qui est compétences. Pioche, les accessoires, les objets, construire. Alors, industrie, agricole, économie, magie. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'il me demande en fait ici? Commençons par construire un fourneau. Alors, est-ce que j'ai dans construire, j'ai fourni, j'ai le fourneau. L'agriculture, vous croyez? L'industrie? Pont, nasse? Non, c'est pas là. Ah, mais non! Fourneau. Et donc? Produit assez de chaleur pour fondre les matériaux. Et c'est quoi du coup? Ah, il me faut des pierres! Ok! J'avais pas compris, moi, hein. Alors là, j'ai des pierres et du fer. Je sais que certains d'entre vous ont d'ores et déjà adoré. Après, ça fait des mois que je l'attends en promo sur Switch et ben, j'ai jamais eu l'occasion de le trouver à un prix qui me plaisait. Et comme je savais pas trop si j'accrocherais au jeu, je me suis dit plonge avec le Game Pass. Et s'il me plaît, je le reprendrai sur Switch parce que ça, c'est typique du jeu à jouer en portable, c'est génial. Il n'est pas très cher, il existe en boîte aussi hein, pour les collectionneurs. Ah, on gagne de l'XP, j'avais pas vu. Oui, on est niveau 1 en haut. Normalement, j'ai assez de pierres, mais je vais tout casser. Comme ça sera fait. Oh, on peut casser les arbres aussi. Voilà, donc maintenant je vais ouvrir mon menu. Ah, il y a un buisson là. Ah, il y a des trucs à manger, génial. Le menu, je l'avais ouvert comment? Avec B. Industrie, fourneau. On le met là. Ah, ça réapparaît les matières premières, ça c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande ce fourneau? Alors, interrompre la fabrication. Donc, il y a plein de choses que je peux faire, mais je n'ai pas encore les matériaux. Par exemple, du charbon. Il me faut du bois, j'en ai pas. Des briques. Il me faut du charbon. Bah, écoutez, on va aller couper des arbres. Là, c'est vraiment les bases du jeu. Ce qui est bien, c'est que ça réapparaît très vite. Regardez, on a déjà à nouveau des pierres. Alors par contre, j'ai pas vu s'il y avait une limitation dans le. Mon énergie est au plus bas. Mince! Comment je me récup de l'énergie? Oui, je n'avais pas vu. Je suis épuisée. B, vite! Comment on fait ça? Objet. Utiliser. Ça m'a redonné qu'un petit peu, hein?
Est-ce que je peux dormir? Oh, ça m'a redonné toute ma jauge. Ça, c'est cool. J'avais pas vu qu'on avait une jauge de fatigue. Ouais, niveau 2, les enfants. Du coup, là, on a le bois. Je vérifie ce qui repousse, hein, parce que s'il y a des buissons avec des baies, il faut les prendre. Ça, c'est un jeu où on peut vite devenir accro, hein. En tout cas, c'est l'impression que j'ai tout de suite pour le moment, quoi, mais... Alors, charbon, oui, je peux en faire. J'ai récupéré du charbon. Maintenant, je peux faire... Est-ce que je peux... Non, ça, je peux pas faire. Je peux faire briques. J'ai pas compris. Attendez. Oh, il y a encore une petite fée une fée là-bas. On va essayer de fabriquer tout ce qu'on peut. Ah, je viens de voir qu'on a un logo de point de compétence. On va aller voir dans le menu où on trouve ça. B. Alors, point de compétence. Là, dans compétences. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Utiliser une compétence. Cueillette, industrie, économie, magie. Je vais mettre cueillette pour l'instant, je pense, hein. Plus de fréquence d'apparition du coton accru permet de trouver du blé, permet de trouver des betteraves. Oh là là, ça va me plaire tout ça, je vous le dis. On n'en a plus, non. Alors je suppose qu'après on a grandi, hein, les endroits où on est. D'ailleurs certainement avec les matières premières on peut peut-être, je sais pas, fabriquer des choses qui nous aideront à aller plus loin. Là-dedans on a quoi? Non, je me suis trompée de bouton. Oh, je suis désolée, ça risque de m'arriver très souvent avec les boutons inversés par rapport à la Switch. Est-ce qu'on regarde s'il y a peut-être dans les constructions l'agriculture, un pont, une nasse. Créer une surface en... Ouais, mais je veux bien. Attendez, je reviens. C'est quoi la petite bébête là? Il y avait une abeille, je sais pas. Ben, je serais bien tentée par faire ce que je viens de voir là, le pont, mais j'ai peur de... Forge. Fabrique des armes. Il me faut des lingots de fer et briques, j'en ai pas assez. Et là, un pont. Permet de pêcher automatiquement. Est-ce qu'on ferait pas une nasse? Voilà, on en a mis une. Créer une surface en bois ou marché. Alors le truc c'est que je sais pas. Toujours est-il que on va les refaire. C'est pas ça du tout. Alors, il nous fallait des lingots de fer. On va les refaire tout de suite. Je surveille du coup mon énergie là-bas. Je crois qu'il m'en fallait 4. Quatre pour pouvoir faire la forge. Et il me faut 4 des briques. C'est quoi ça? Pourquoi je peux pas taper sur ce truc là? C'est chelou ça? Et il me reste une brique à faire, ouais, c'est ça. C'est quand même super intéressant comme jeu.
Voilà, donc normalement, si je dis pas de bêtises, je peux fabriquer la forge. Attendez, je vais aller couper des arbres avant de la faire. Comme ça, je peux la mettre ici. Ah ben, il y a un caillou derrière. Voilà. Et maintenant, je vais fabriquer ma forge. Ah ben, je peux pas la mettre en bordure comme ça. Bon, moi, je la mets là. Je peux rien faire. Il me faut du bois, des lingots de fer à gogo, vache. Et lingots d'or. Ouais, bon, bah c'est pas pour maintenant alors. Qu'est-ce qui se passe? Une prise. Oui, on a récupéré quelque chose. Ah, c'était des fleurs, génial. Et vous avez vu tout ce qu'il y a maintenant? Ah, de l'or. Les enfants, c'est passionnant. Et je pense que ouais, sur la Switch, ils s'y prêtent vraiment parce que jouer à ça en portable, ça doit être top. Après, certes, graphiquement, c'est chelou, hein. Je vais pas non plus vous dire le contraire, mais... Mince, on est épuisé, les enfants. C'est étonnant, hein. Comment on a dit qu'on faisait ? Il y a ça là au bout aussi. C'est quoi? Des agrumes. Ah, je peux les mettre en bas. On peut avoir une petite fée comme tout à l'heure ou pas? Je peux rien faire avec cette bébête là? Non. Tant pis. Parce que je suis quand même bien bien épuisée. Hein. Et comment je passe en bas de l'un à l'autre? C'est bien gentil tout ça, mais... Ah, comme ça. Voilà, avec la gâchette. Ok. Niveau 3. Par contre, quand je passe au niveau 3, vous pourriez me redonner un petit peu plus... Oh, un point de compétence. On va aller voir si on peut pas le mettre dans une autre catégorie, peut-être. Oh, il y a une fée, là. Une fée. J'appelle ça une fée, je sais pas ce que c'est. Hein. En tout cas, toujours est-il qu'elle me redonne mon énergie, et ça, c'est cool. Alors. Compétence. Industrie. Débloque l'acier, débloque le verre. Gain d'XP lors de la construction. Ok. De toute façon, on va déjà faire les 4 de base. Hein. Une prise. Oh, je me trompe tout le temps de bouton. Je suis vraiment, vraiment désolée. Je sais pas ce que je peux faire avec cette bête qui vole là-bas. Est-ce qu'il me faut attendre d'avoir des armes? Peut-être un filet ou... Est-ce qu'il y aurait ce genre de choses là-dedans à construire? Non. Non, il n'y a pas grand-chose pour l'instant. Et ici, j'ai rien de nouveau. Oh, je peux faire un lingot d'or. Ça, c'est cool. N'empêche, on a vite les choses qui s'accélèrent, c'est bien ça. J'ai envie de construire le pont, mais je sais pas où il va nous, s'il est utile maintenant, en fait. Surtout là que je fais que crafter, mais sans savoir réellement si ce que je fais me fait vraiment avancer ou pas. Ça, c'est du blé, c'est cool. Je suppose qu'après on pourra cuisiner plus tard. Hein.
Alors, économie, il y a quoi? Il n'y a rien. Magie, il n'y a rien. Agriculture, pont. En fait, ça sert que à ça, quoi. C'est pas non plus foufou, hein. Poste de couture. Fabrique des tenues et accessoires utiles à n'importe quel aventurier. Eh ben, il me faut 4 briques. On va aller voir si on a de quoi faire 4 briques. Je pense que oui. C'est passionnant, les enfants. Ça fait... je crois que c'est Elodie qui m'en a parlé il y a très longtemps. Très très longtemps. Et depuis, je surveille une promo qui n'est forcément pas arrivée. Mais du coup... Là, en le voyant dans le gameplay, je me suis dit, il faut à tout prix que je le prenne. Ah, on a une prise là-bas. Ça, c'est pratique, les petites nasses, là. Je sais pas si je vais pas en faire une deuxième. À... Non, je vais pas forcément envie de faire ça. Je sais pas si je vais pas en faire une deuxième des nasses. Normalement, j'ai ce qu'il faut en briques, là, pour qu'on puisse construire l'atelier. Alors, c'était dans industrie. Ouais, poste de couture. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? Du fil. Et là, j'ai vu qu'on peut faire petit sac à dos. Et il nous faut quoi? Du fil et des fleurs. Alors, il me semble, dans ce que j'ai vu, que notre espace s'agrandit. Ça reste pas ça pour toujours, mais... Alors, je pense que ça peut en refroidir plus d'un au vu des graphismes. Après, c'est particulier. Moi, j'aime beaucoup. Je dois manger. Voilà. En même temps, vu le travail qu'on a bas, heureusement qu'on doit... C'est sûr qu'il faut se nourrir. C'est quoi ce truc là? En dessous. Niveau 4! Ah, c'est des betteraves. Oh, récupère de quoi manger, là, c'est bien cool. On a plein de baies, là. Pourquoi j'avance? J'ai l'impression d'avancer tout vite. On va aller voir ce qu'on peut faire avec le point de compétence qu'on vient de débloquer. Et je rachèterais bien une nasse. Où est-ce qu'on pourrait la mettre? Ici. On va manger un petit coup. Alors. On va déjà aller chercher le point de compétence. Bah du coup... Ah, je peux pas reprendre autre chose. Ah si. Récolte. Chasse. 4 emplacements d'inventaire en plus. 25% d'expérience en plus. Et plantes. J'apprends ça. J'ai dit que je ferais les bases du milieu, mais... Je crois que je vais me contenter. Je vais... Ouais, voilà. On va faire ça. Non, on va pas manger. Et c'était dans agriculture, à l'ananas, oui. Voilà, nickel. Comme ça, j'en ai une deuxième. Vite, on a une prise. Oh oh. Voilà. Faut que je déblaye ici un peu parce que... Non! Je suis en train de casser ma forge! Pas du tout! Vite, il faut que je mange.
Est-ce que dans les trucs à manger, on n'aurait pas autre chose encore à remettre en bas? Genre, est-ce que le poisson, on peut le manger? Le reste, je vous avoue que je sais pas ce que c'est, mais c'est quoi ça? Trier l'inventaire. Ok. Non, ben, pour l'instant, on va rester comme ça. Voilà. Ah, je sais pas ce qu'elle fait, cette petite bébête là. Je pensais peut-être quelque chose que je peux attaquer avec une arme, mais pour l'instant, on m'en propose pas, donc. Mais non! Je vais pas faire ça. Non, j'arrive rien à faire avec. C'est quoi sa pièce? Pioche visqueuse, les ressources. Il me faut des lingots de fer, ouais. De toute façon, j'ai rien du tout, donc comme ça, c'est réglé. Bouteille. Sert à piéger des insectes et à contenir des liquides. Il me faut du verre pour ça. Je sais pas où je peux avoir du verre. Est-ce que ça serait quelque chose à fabriquer à la forge, peut-être? On va aller voir. Oui, et pour avoir du verre, il me faut du sable. Ok. Je sais pas comment je fais pour avoir du sable, mais on va se trouver. C'est du blé. Elle peut revenir, notre copine qui nous ramenait des trucs là ou pas? Parce que, comment dire? On a un peu beaucoup faim. Donc du sable. Comment je fais pour avoir du sable, moi? Équipement, accessoires, sourire. Enfin, ouais, il y a plein de choses. Hein. Du sable, j'en ai là. Je sais pas comment je l'ai eu. Acheter un terrain! Il faut 30 pièces, 50 pièces. Ah, oh, génial! Eh bien, on va essayer au moins aujourd'hui de débloquer quelque chose. Par contre, je suis désolée si je me trompe sur les boutons. C'est vraiment pas de ma faute. Il me faut un lingot d'or. Est-ce que je peux faire un lingot d'or? Oui! Non! Oui! Je vais en refaire. Si ça va pas me faire que deux pièces quand même, hein. 16. On n'est pas loin de pouvoir acheter la première. Ah là, on a du sable, nickel. Pourquoi on voulait du sable pour faire du verre? J'ai le verre. Je sais plus pourquoi je voulais du verre. Mais j'en ai. Et je vais faire tout ce que j'ai pour les lingots d'or, comme ça je fais les pièces. Il y en a encore un. Alors ça c'est le jeu, bon, je peux m'y perdre. Hein. Complètement. Du coup, Elodie, merci de m'en avoir parlé. Je sais que c'était il y a très longtemps, j'ai mis du temps, mais je suis là. Ah oui, c'est parce que je voulais faire la bouteille qui me permettait. D'attraper en fait les insectes.
c'est cool. J'ai intérêt à acheter des terrains pour m'agrandir. Mais oui, on va le faire, on va le faire, on va le faire. Bon, là, on est bon. Faut que je mange d'abord. Alors, c'était où qu'on faisait ça? Là, acheter un terrain. On va déjà prendre celui-là. Hein. Oh, la classe. C'est chez nous, les enfants. Regardez-moi comme c'est beau. Oh, il y a un monsieur qui a une quête là-bas. Pourquoi j'ai joué à ce jeu? Alors, je vous dis tout de suite, si vous voulez une suite, je crois qu'il y a de grandes chances que je le fasse. Il veut quoi, le monsieur? Attendez. Je me suis trompée de bouton pour lui parler. Tu tombes à pic! Des petits saligots armés de pioches épuisent les ressources naturelles. Apporte-moi deux flamouches que je puisse les protéger du danger. D'accord. Je sais pas ce que c'est une flamouche. Niveau 5! Ouais! Regardez, il y a de la méchante bébête maintenant. Oh, il y a une copine la fée. Ouf! Ça, c'est cool. Je sais pas ce que c'est des flamouches, par contre. C'est pas que je veux pas, hein, mais... Je n'ai aucune idée de ce que c'est une flamouche. Je peux lui reparler ou pas? Non. Flamouche. Comment je sais ce que c'est? Moi, bon, il est mignon, lui. Je vais regarder peut-être dans mon inventaire. Quoique si j'avais, je pense que... Il aurait quand même vu. Ah, puis on voit pas ce que c'est, les trucs. Bon, on va prendre notre point de compétence, déjà. Bon, on va quand même partir sur l'économie. Ah ouais, les forges, vous avez vu que... C'était quoi? Produisent 4 pièces supplémentaires. Ça, c'est bien. Ça m'a l'air super complet, hein, comme petit jeu. Et je vous dis, il est pas si cher que ça, en version boîte. Et par contre, ouais, voilà, je l'ai... Disons que maintenant que je sais à quoi ça ressemble, je me laisserai peut-être plus facilement... séduire par la version boîte. En promo, en des matchs, je l'ai rarement vu, hein. Ou alors avec 10%. Je casse ça parce que je voudrais voir ce qu'il y a à côté de lui, là, parce que je comprends pas ce que c'est. Puis je peux plus lui reparler. On va faire le tour des recettes, des trucs qu'on a, hein, pour voir. Parce que peut-être qu'avec la gelée de monstres, on a débloqué des nouvelles recettes. Oh. Alors attendez. Briques, machin, machin, poisson cuit. On va aller faire les poissons cuits parce que je pense que ça peut être pratique pour récupérer de l'énergie à mon avis. Alors ici, il y a quoi? Petit sac à dos. Bah c'est pas pour maintenant. J'ai rien vu qui ressemble à ce qu'il voulait, hein, moi. Et moi, je voulais faire ma bouteille. Elle est où? Il manque encore du verre. Il faut que je... Mais s'il y a du sable là-dedans, peut-être que c'est bon. Et maintenant, il n'y a pas de sable. Vous savez quoi? Maintenant qu'on a un petit peu avancé, je serais d'avis qu'on refasse encore une nasse. Parce que ça peut être super pratique quand même. Attendez, il y a une bébête là-bas. Ah non! J'ai fait une supra bêtise, je suis en train de bouffer tous mes trucs. Oh non! Arrête de faire des bêtises. Alors, agriculture, nas. Je vais quand même aller voir là-dedans s'il n'y a pas autre chose qui s'est mis. Là, c'est le poste de culture. En économie, on n'a rien.
En magie, on n'a rien. Donc je sais pas ce qu'il veut, petit papy, pour l'instant. Je suis désolée. Ah, je peux rentrer là-dedans, il y a quoi? Ah, je peux changer ma tête. Bon, pour l'instant, je peux rien faire, c'est réglé, hein. Ok. Vous avez déjà une demi-heure, les enfants, ça passe super vite, mais qu'est-ce que c'est bien? Ah, j'ai du sable. Est-ce que j'ai assez de sable? Je crois pas, il m'en faudra encore un, je crois. Je crois qu'il en fallait deux pour la construction. Ah, j'utilisais bêtement mes trucs pour manger. Bon, bah pas bêtement, parce qu'au final, j'en avais besoin, mais... C'était quoi qui est passé? On aurait dit qu'il allait pleuvoir, et puis finalement, non. Ah oui, il pleut! Je sais pas ce que tu veux, monsieur. Oh, il y a la fée, là. C'est cool, j'ai tout récupéré mon énergie. On va bientôt arriver au niveau 6 déjà, ça c'est classe. Ben voilà. Ça je peux aller remettre un point de compétence, on en aurait mis au moins un dans chaque catégorie. Je vais prendre du coup la magie. Même si pour l'instant je crois que je n'ai rien en rapport avec la magie, mais c'est pas grave. Faut que j'aille voir si j'ai pas une nasse de prête. Non. J'aimerais bien avoir le sable pour pouvoir faire ma bouteille. Une prise. Ah oui, pardon, ça m'a fait peur, je croyais que c'était je sais pas quoi. Hop. Ah, je veux du sable. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cassé mon truc? Non, j'ai pas cassé la nasse. J'ai vraiment pas de nouvelles recettes, hein. Vert, ouais, il me manque un sable encore. Ah. On a une prise en bas? Alors, le truc c'est que je pense que l'objet qu'on voit c'est ce qu'il veut, mais ça ressemble à rien. Est-ce qu'il y a un endroit où je peux voir les quêtes en fait? Je crois pas en tout cas. On va faire la bouteille. Ah. Faut que je fasse le verre peut-être avant de faire la bouteille. Accessoirement, ça me semble une bonne idée. Et je vais aller mettre les poissons cuits dans la barre en bas. Comme ça, je les aurai en raccourci si jamais il y a une urgence famine. Voilà. Bouteille. Sert à piéger des insectes et à contenir des liquides. Par contre, je n'ai plus d'énergie du tout. Vous voyez que moi je pense qu'il faut que je la prenne en main en fait, la bouteille, et que quand il y a un insecte, je... Ah, le poisson, vous avez vu comment ça récupère? C'est classe, hein. C'est quoi qui vient de pousser à ses pieds, lui? Ah, c'est de l'or.
Ça repousse relativement vite, ça c'est classe. Hein. Je regarde le compteur, pas non plus que j'y passe la journée. Hein. Après, faut que vous ayez le temps de regarder la vidéo quand même. Bon, par contre, ouais, je sais pas trop, j'ai pas compris ce que lui veut. Alors, est-ce que c'est quelque chose que je vais débloquer après? Est-ce que c'est quelque chose que je devrais voir et que je ne vois pas? J'en sais rien. Après, on pourrait déjà acheter un autre terrain, je crois. Pourquoi je peux pas? Ah si! Oh, il y a un coffre au trésor! C'est de la balle? Sauf que il faut que je fasse un pont, non? Pour y aller. Ouais, mais comment j'y vais? Attendez. Je sais pas si je peux y aller comme ça. Par contre, on a un insecte là, donc je vais prendre la bouteille. Oui! Ah, c'est une flamouche, c'est ça qu'il veut! Ok, bah, va falloir que j'aille refaire des bouteilles, du coup. Je suis en train de casser tout, sauf la bébête. Il me faut du sable. Bah, vous savez quoi? On va se prendre la tête. Il refaut du sable, je vais refaire des nasses. Au pire, hein, je pense qu'on peut laisser les enlever après. Oui, nouveau point d'XP. Eh, mais les enfants, c'est un truc de malade ce jeu. Hein. Pourquoi je ne l'ai pas vu avant? Alors. Débloque les arcs, débloque les flèches, les ennemis rapportent des pièces. Ok. Débloque les postes de menuiserie. Débloque les moulins à vent. Les... Oh là là, ça ne rigole plus. Hein. Canne à pêche. On va faire ça. On ne rigole plus du tout maintenant. Bon, le truc... Arrête de faire des conneries. J'ai presque bouffé tout ce que j'avais parce que je me suis encore une fois trompée de bouton, quoi. C'est pas grave, ça va revenir, c'est pas le souci, mais quand même. Heureusement que je peux faire du poisson cuit, hein, parce que... Je sais pas comment je récupère un cœur, peut-être en mangeant aussi, hein. On va encore essayer de voir si on arrive à aller sur l'île à côté, là. Oui! Ça, c'est classe. Non, ne casse pas le pont, comment tu vas revenir, espèce de cruche? J'ai besoin d'une clé. Oh, on pouvait pas réparer une clé ici? Clé. Il faut les lingots de fer et lingots d'or. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Ah, oh, c'était pas fait exprès le jeu de mots. 1, 2. Vous avez vu, il y avait une poule. J'ai pas rêvé, hein? Vous l'avez vu? Génial! Oh mon dieu, mais qu'est-ce que je viens de faire? Pourquoi ce jeu existe? Allez, il faut que je retrouve rapidement. Et là, il faut que je fasse 2 lingots d'or. Hein. Et maintenant, c'était quoi? Je devais faire une clé. Pendant qu'il prépare la clé, je vais récupérer ici. Ah, mais il me faut du sable, les enfants, vous abusez.
Ah, ça me redonne un cœur aussi, quand même. Pas ça, par contre. Ok. Je suppose qu'après, je peux améliorer mes armes, donc du coup, ça ira mieux. Allez! Lunettes de geek, gain d'XP de 20%. C'est cool! On va se faire tout ce qu'il y a sur l'île avant de repartir et puis du coup on s'arrêtera là parce que bah, ça fait déjà un bon moment qu'on joue. Je dévalise juste l'île avant de repartir, je fais comme ça. Oui, on a du sable. Je peux faire du verre, non? Il me faut encore deux sables et je peux refaire une bouteille. Et du coup, lui, je pourrais lui avoir ce qu'il voulait. Enfin, j'ai pas vu que mon énergie avait baissé à ce point. J'ai eu pas mal de poissons, je pourrais aller en refaire, hein. Vous avez vu à quel point il y a des trucs qui poussent tout partout? Je crois que pour l'instant, j'ai un intérêt vraiment important à avoir des nasses en fait. Hein. Parce que le poisson, ça nourrit relativement bien. Ouais! Génial! Alors attendez. On va faire ça avant de se quitter. On va aller faire le verre. On va chercher l'XP. Débloque les entrepôts. Pour l'instant, pas forcément besoin. Débloque les épées, augmente les dégâts de base. Les pierres rapportent. Ouais, ok. Oh, ouais. La cuisine. Alors là j'ai mon verre. Si j'ai pas dit de bêtises, je peux refaire une bouteille. J'ai plus de fil. Comment on fait du fil? J'ai plus de fil. Il doit y avoir un truc. Vite, trouvons. Comment je fais du fil, les enfants? Ah, peut-être que je le fabrique, en fait. Casse les pieds, là, voilà. Attends, on va aller regarder. Parce que j'ai une bébête qui est là, alors ça serait dommage. Ah non, je peux pas le fabriquer. De toute façon, je peux faire des poissons crus. Comment je fais? Mince, je ne sais plus comment on fait du fil. Ah, peut-être ici. Bah oui. Cruche. Thank you.
Et on va aller capturer la bébête et on aura fini la première mission qu'on a eue dans le jeu du coup. Bon là j'ai fini. Il y a quoi? Le nom. Alors. Il y en avait une quelque part. Hein. Tout à l'heure. Bien sûr elle est plus là. Faut qu'on la trouve. Bon, je vous laisse vraiment quelques secondes pour la trouver, sinon c'est pas grave. Attends, vous savez que je l'ai. C'est juste que j'aurais bien voulu voir ce qu'ils ont débloqué et qu'on le découvre ensemble, ça aurait été plus rigolo. Saleté! Il y en a pas ici parfois, non? Bah non. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Il y en avait juste avant! C'est pas vrai! Il y a plein d'ennemis, mais j'ai plus du tout ce que je voulais maintenant. Il y a une deuxième poule maintenant. Bon, bah écoutez, on a 47 minutes, je crois qu'on va s'arrêter là. Alors vous n'hésiterez pas à me dire, moi je continue quand même à vous le temps de clôturer, à regarder si ça arrive pas quand même, on sait jamais. Il me faut des poissons, il faut que je remette des nasses, hein. On est d'accord? Pourquoi ça n'a pas voulu me faire mon poisson? Ouh, on a un méchant bébête. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors c'était le petit let's play découverte de Forager qui est plus que passionnant. Alors moi je suis très contente de l'avoir essayé. Je vais continuer un petit peu ma partie. Si vous voulez une suite, n'hésitez pas à me le dire. Moi en tout cas, ça sera avec plaisir. Alors n'hésitez pas à me laisser tout plein de commentaires, tout plein de petits pouces bleus. Et je vous dis donc à très bientôt et amusez-vous bien.